Blagnac veut rester invaincu à domicile. Valence Roman veut continuer à rêver des sommets et s'imposer ici en Haute-Garonne. C'est parti pour ce match avec un coup d'envoi profond tapé par Lucas Méré. La concentration du buteur, la frappe s'envole et elle va passer entre les verges. Et après 3 minutes de jeu, c'est Blagnac qui prend les commandes pour mener 3-0. Toute la préparation du buteur, les petits gestes qui rassurent pour que cette pénalité prenne la direction des poteaux. Et Blagnac qui mène maintenant 6-0 grâce à cette pénalité réussie par son buteur. C'est sa première saison à Valence Roman. Et son coup de pied est toujours aussi bien réglé parce que cette pénalité passe entre les perches. Lucas Méré qui réduit l'écart. Et le VRDR qui n'est plus mené que 6-3. L'alignement est complet avec Paul Ravier qui s'est mêlé assez gros en relayeur. Allez, c'est Mathieu Vachon qui a choisi premier bloc. La combine Mutel, Mutel qui va passer les bras pour son talonneur. Et Villerouge qui va inscrire le premier essai de ce match. Après 32 minutes de jeu, les Blagnacais qui inscrivent le premier essai de ce match. Sur cette combinaison parfaite jouée par Vincent Mutel notamment. Et à la conclusion, c'est le talonneur Gabin Villerouge qui permet aux siens de creuser l'écart après une demi-heure de jeu dans ce match. Tout le travail de Mutel qui a bien passé les bras. Lucas Méré, la petite course d'élan sur son mauvais pied. Mais ça passe tout de même entre les perches. Le demi d'ouverture qui réduit l'écart au score. Deco qui sort, Villerouge qui sort, Tross qui sort pour laisser la place à César Bichon, Florian Bertrand et Fabien Lorenzon. Et là, il faut qu'ils apportent leur fraîcheur, les remplaçants. Il faut qu'ils apportent leur fraîcheur pour défendre ce groupe pénétrant. Même s'il est encore une fois très bien parti. Et même si Monsieur l'arbitre est allé au pied des poteaux pour accorder un essai de pénalité. Essai de pénalité pour Valence Roman qui revient au score 11 partout. Et même 13-11 puisqu'il n'y a pas de transformation sur un essai de pénalité. Et alors je dois reconnaître que je me suis emballé. C'était pas un essai de pénalité, autant pour moi. Où est-ce que ça va l'aider cette ambiance de Feria à Antoine Renault? N'allez pas gêné par la musique, Antoine Renault qui permet aux siens de reprendre l'avantage. 14-11 pour Blagnac. On joue depuis 56 minutes dans ce match de la 15e journée de National. Le pied droit du buteur Kawek. Le ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. 64e minute de jeu ici au stade Ernest Argelès de Blagnac. Et ce sont les locaux qui mènent. Ils mènent désormais de 6 points, 17-11. Et ça a été écroulé, c'est écroulé par les Blagnacais. Ils ont un avantage à jouer, les Dromois. Et attention, attention sur les extérieurs. On est arrivé à passer les bras et ça va aller au bout. Le très beau travail de Akila Tamoualevou pour servir son coéquipier. Et Valence Roman qui revient dans ce match, qui revient recoller au score. Et qui pourrait même passer devant si la transformation était réussie. Gros travail de l'entrant. Et ça passe entre les perches pour Antoine Renault. À 9 minutes de la fin, 71e minute de jeu, c'est Blagnac
qui reprend les devants au score. Il a débuté ce match à l'arrière, il est repassé à l'ouverture. Et là, je pense que si ce ballon est bien capté, les Blanakais pourront exulter parce qu'il ne va pas rester grand-chose. Le groupe est pénétrant, Paul Ravier qui expédie le ballon en touche. Et c'est fini. Et c'est terminé ici au Ramier. La victoire de Blagnac. La très très belle victoire des Blagnacais dans un match rude, un très bon match. Il n'y a pas eu de grandes envolées, mais tout de même deux équipes qui se sont bien accrochées, qui ont disputé un très bon match, très plaisant.